1814, la campagne de France, on a essayé de rassembler les meilleurs spécialistes sur tous les sujets, qu'ils soient diplomatiques, surtout militaires, locaux, pour cette campagne qui a été une des premières campagnes sur le sol de France depuis bien longtemps. Et on avait beaucoup d'interrogations, on essaye d'y répondre. Et effectivement, avec tous ces spécialistes, on a dressé, je pense, un portrait assez inédit de cette campagne, avec pas mal de révélations sur les aspects militaires, diplomatiques, politiques aussi, où beaucoup de choses avaient évolué depuis en historiographie, n'avaient pas été rassemblées. Et finalement, ça va être l'ouvrage sur la campagne de France, car au moment du bicentenaire, il n'y en a pas vraiment eu qui traitait de la campagne proprement dit. Nous avons rassemblé comme historien Marie-Pierre Rey, Patrice Guignifé qui dirige le livre avec moi, Vincent Aiguélet, Charles-Éloi Vial, Jean-François Brun pour la partie militaire, mais aussi Hervé Drevillon encore pour la partie militaire, Bruno Colson toujours pour la partie militaire. La liste est longue mais assez prestigieuse. Nous sommes ravis de les avoir ainsi convoqués, rassemblés pour cette campagne qui méritait de 3 mois, hein, très courte, mais qui méritait vraiment un éclairage à la fois sous tous ses angles et comme ça très enlevé. Hein.